Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien, je suis accompagné de Tiger Wolf comme d'habitude. Salut à tous. Voilà, il essaiera d'être moins autoritaire. Hein. Vu que ça dérange quelqu'un, je parlerai pas aujourd'hui. Voilà. Non, tout ça pour vous dire, je tiens quand même à clarifier un truc. Hein. Tiger, il connaît le jeu. Il l'a fait en boucle, il l'a fini je sais pas combien de fois. C'est normal qu'il me donne des instructions sur ce que je dois faire. Parce que là, on s'est dit, ok, on va faire une partie où c'est moi qui dirige tout. Je pense que vous allez vous lasser de nous voir mourir en boucle 50 fois de suite. Ok? Donc maintenant vous le laissez commander et vous arrêtez de me faire chier. Je suis clair? Super. On peut commencer. L'écho va être super sympa par ça. Ouais, je sais. Parle moins fort. Voilà. Alors, okay. Donc du coup, ouais, on est sur Skype cette fois-là parce que bah, le coup des doubles micros, en fait, c'était de la merde. Je suis parti. Vous entendez peut-être un petit peu mieux le jeu aussi, c'est plus sympa pour vous. Donc du coup, on devait faire quoi, là? Je peux sortir ou pas? Là, c'est bon, je peux y aller, ouais. J'ai mon chef dehors, c'est bon. Tu planques juste un peu contre les murs pour éviter de te prendre une mauvaise balle, quoi. Ok. Parce que le char, je sais pas où il est. Oh, casse-toi! Est-ce qu'il vient par là, lui? Il vient? Non, il a l'air tranquille. Alors... Il est où? Excusez-moi, j'ai encore une mauvaise toux. Alors, est-ce qu'il y a des généraux dans le coin? Est-ce qu'il y a des plus hauts gradés que moi? Ils ont ça plutôt comme ça. Ça a pas l'air d'être le cas. On vit de la zone ou pas? Ouais. D'accord. Sur le pont. Alors là, c'est les couteaux qui vont primer hein, pour l'instant. C'est les ceux qui sont vraiment efficaces. Il y a quelqu'un qui te voit par contre, je sais pas qui. Chez lui pour l'instant. Arton, hein? C'est qui me voit? Ah d'accord, c'est lui. Hein? Hein? On a bien... Planque-toi. Oh. Au cas où. C'est un travail pour nous, ça. Voilà, je suis planqué. On a oublié les cadavres? Je sais pas. Non, quand même pas. Je vais regarder par la porte, là, voir ce qui se passe. Ah oui, on en a oublié un. Il y en a un à côté de la voiture, puis un sur le toit. Mais sur le toit, on peut rien y faire pour celui-là. Ouais, sur le toit, on peut rien y faire, mais à côté de la voiture, c'est vrai. Bah, il est encore en vie, alors si jamais... Tu le finis, quoi. Ouais, ok. Toujours prêt? Ouais, attendez, c'est oui, qui sur le couteau? Ah, voilà. Allez, yes, vas-y. Je vais. L'expert explosif, tu peux le laisser là pour l'instant. Ouais. C'est pas le plus efficace. Si on a besoin de gros d'explosif, on l'appellera, mais sinon... Voilà, on va lui envoyer un couteau dans la gueule. Je peux pas? Pourquoi? Je passe par là. Pourquoi je peux pas le tuer? Il est déjà mort? C'est possible, ça? Non, je peux le taper. Alors, tape-le. Non, ce que tu fais, tu le prends à mettre dans la pièce. Non, c'est bon. Voilà. Il est mort. Il emmerdera plus personne. Donc ouais, j'ai aussi eu des commentaires me disant où c'est que vous pouviez télécharger le jeu. Ça ne se télécharge pas ce jeu, c'est un jeu payant. Vous le payez, bordel de merde. Ça me semble logique. Alors, moi je vais aller voir. Donc ouais, on va avouer un petit truc. On a téléchargé le jeu. Mais uniquement parce que la copie de Tiger est perdue je ne sais pas où. Elle est en route pour la Grèce. Voilà. À l'heure actuelle. Globalement. Voilà. À l'heure actuelle, elle est dans mon futur nouvel appartement, on va dire. Voilà, exactement. Alors, je vais voir si je trouve mon voleur, parce qu'il doit être en train de dormir quelque part. Donc du coup, j'en profite aussi pour répondre à celui qui m'a demandé si j'avais un frère. Non, j'ai pas de frère. La dernière fois, je parlais à Tiger sur une de mes vidéos aussi. Il est où, mon gars? Je vais me coller contre ce mur là, moi. Je peux pas me coller contre cette porte. T'es où toi? Bah, je suis dehors. Non, je parle pas à toi. Ah, t'es là. Alors, moi, je suis bloqué dans une maison pour l'instant avec mon voleur. C'était juste pour voir où il était. Tu as récupéré le voleur? Ouais, et le chien aussi d'ailleurs. D'accord. Alors, si jamais t'as le sifflet, bah, utilise le voir ton sifflet pour voir si ça marche. Ça doit être H. Ouais, je l'ai activé. Alors, vas-y, voir encore un coup. Le chien arrive? C'est possible. Non, il bouge pas. Con de mime. Bon, c'est pas grave. Parce qu'on peut en faire quoi de ce chien? C'est en fait un transport. Il transporte les choses en fait. D'accord. Dans l'idée. Alors vous excuserez un petit peu notre manque de motivation. Enfin, pas de motivation. D'intonation dans la voix. Il est 9h moins 10 et on rentre tous les deux du boulot. Voilà. Alors, on va tuer ces deux-là, qu'est-ce qu'on pense? Ils ont l'air sympa. Ouais, vas-y. Alors moi, je vais. Ouais, quoi, d'abord que je vide la maison en fait. Tu veux que je vienne avec mon voleur, que je lui envoie un coup de couteau? Ouais, attends. Faut d'abord que je vide la maison en fait.
Voilà. Mais tu peux parler avec l'autre là qui évite de me voir. Ouais, voilà. Celui-là tu peux y aller. Je m'accroupis quand même, hein. L'autre, tu l'as tué? Quel autre? En haut? Ouais, en haut il est mort, c'est bon. Okay. Il est en train de dormir dans la maison. D'accord. Oh putain, il dort plus. Ah non, c'est toi. C'est moi, t'inquiète pas. Oh, c'est chaud, tu m'as fait peur. J'ai vu que t'es peur. Putain, t'es parano, mon pote. Hein. Ah, ça. Tu veux que je suis le deuxième? Attends, je vais mettre dans la maison puis vider la maison déjà. D'accord. Alors, je me planque ici. Ouais, je peux pas rentrer dans la maison. Bon, alors on va éviter de vider la maison et puis je vais envoyer un couteau au deuxième. Et toi, tu veux tuer le premier. Attends. Qu'est-ce que t'as vu? Tu vises le bleu, quoi. Le bleu, tu veux? Tu vises le bleu, moi je prendrai l'autre. Ok, d'accord. Alors, va falloir être synchro, là. Hein. T'es prêt? Ah, d'accord. T'es prêt? Ouais, vas-y. Ok, 1, 2, 3. Oh, punaise! Ça, c'était magnifique! Alors là, respect. Une belle synchro comme ça, ça arrive pas souvent. Hein. Voilà. Bon, allez, on va planquer ça. Y'a le char en bas, hein, fais gaffe. Mais tu vas où, toi? Bah, je vais planquer. Bah, y'a une maison de ville, là-haut. Ah, d'accord, je savais pas. Y'a un gars qui nous voit, attends, attends, tu passes pas assez vite. Mais... Ouais, ouais, mais c'est bon. C'est celui en bas, là. Ouais. Je peux pas le tuer d'ici, tu crois? Le problème, c'est qu'ils vont le voir, puis ils vont se rappliquer. Non, pas forcément, si on est bien planqué. Attends, je vais essayer, quand même. Ouais, mais y'a des gaillards qui patrouillent en bas, alors méfie-toi, hein. Non, je peux pas l'avoir depuis en haut. Non? Non. Puis y'a le char qui va le voir, puis il va nous faire un sacré bordel. Voilà, puis ce char, je lui ai envoyé tellement de mines dans la gueule qu'il devrait déjà être mort. T'inquiète pas, j'ai un lance-roquette plus tard pour toi. D'accord, ça sera génial ça. Bon, du coup, il faut aller où? On va vider cette maison maintenant. J'arrive. Rentre pas à la maison. Non, mais je m'accroupis juste pour arriver près de la maison. Parce que là, y'a du monde dans la maison, hein. C'est possible. Je vais juste regarder par la fenêtre. Tu sais que tu t'es repérable là, si tu regardes dans une fenêtre. Oui, mais y'a personne. Là, il y a quelqu'un, oui. Oui, bah. Voilà. Je peux venir? Ou pas? Deux secondes, je vais juste le ramasser celui-là avec moi. Salut. T'as récupéré ce qu'il y avait dans l'autre cadavre ou pas? Ah non, tiens. Bah, tiens, prends celui-là avec. Salut. Ah, je suis rentré, merde. Tu risques rien normalement. Ok. Au moins, disons. Il est où ton cadavre? Ah là, donne. Je passe par là. Non, mais donne. C'est le mien. Mais donne. C'est mon jouet à moi. C'est ça. C'est mon copain. Non, tu te fous pas contre le mur, abruti. Voilà, il faudrait que je voie les cadavres maintenant. Alors W, hein, si jamais pour. Ouais, donc le soldat, il a des chargeurs, ça je veux bien. La mitrailleuse. Ouais. Ouais, c'est toujours pratique ça. Mais je veux qu'une seule mitrailleuse, par contre. Comment je fais pour prendre que les chargeurs? Tu clés juste sur le chargeur. Ah d'accord, voilà. Et comment je fais pour prendre qu'une seule mitrailleuse? J'en ai deux là. Ah, ça je pourrais pas te dire par contre, j'ai jamais eu. Ah voilà. Non, même pas. Il veut pas la lâcher, bah qu'il la garde. Ah, le soldat là, il a un fusil, j'aime bien ça. Mais il est vide, non? Non. Non? Non, si, t'as raison. Il doit être vide parce que c'est moi qui l'ai vidé celui-là. Ça a bien marché. Voilà. Non, ok, c'est quelque chose. Je l'ai pas encore pu l'ouvrir, elle est grise. Les caisses grises, vous pouvez pas les ouvrir à moins d'avoir le voleur. D'accord. Y'a que le voleur qui peut les ouvrir pour l'instant. Bon. Je suis en train justement de le libérer le voleur. Oui. Parce qu'il est entouré d'hommes, tu peux rentrer à la maison, c'est bon. D'accord, j'arrive. Ils sont un peu tous mourus. Un peu tous mourus, tu dis? Ouais, ils ont tous une sale gueule. Bon, je sais que tu rentres, mais tu veux bien te dépêcher mon voleur, merci. Ça a bien marché. T'as eu le voleur? Ouais. C'est possible. C'est possible. Alors, bah, Stu, tu peux venir avec ton quatrième gaillard, là, avec ton expert en explosif? Ouais, il est où? Oui. Bah, je sais pas, tu cliques sur le numéro 4, puis il va venir tout seul. Ouais, ouais. Moi, je vais t'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Hop. Okay. Ah! Mais il fait quoi, cet abruti? Ah, j'ai des jouets pour toi. J'ai plein d'explosifs pour toi. C'est cool, ça. Ils sont tous dans la maison. Y'a un chien qui est sorti de la maison ou pas? Ah oui. Oui. Cool. Alors... Mais pourquoi tu l'as rappelé? Il est con. J'essaie de lui donner des trucs, il me rappelle. Viens ici, Cabo. Je veux juste voir si ça marchait. Tu l'appelles pas, tu l'appelleras avec le numéro 4 après. Ok. Tu me dis quand c'est bon? Ouais, attends. Il a pas beaucoup de place contre Cabo, quand même.
C'est un chien déjà, tu serais rien censé pouvoir stocker dessus. Tu peux l'appeler. De base. Tu peux l'appeler. Non, tu peux pas. D'accord. C'est, je l'ai pris dans les pains. Ah, d'accord. Vas-y. Lâche-le. Appelle-le. Voilà, il arrive. Il sait ouvrir les portes, le machin. Au boulot. Ouh, tu me fais plaisir là. Ouais, ça, ça devrait pouvoir tuer un char normalement. Voilà. Bien, il y a encore un rouge ici. Terminé. Ah, c'est qui? Putain. Qu'est-ce que t'as vu? Voilà ce que j'ai vu. Quoi donc? Chut. C'est pas juste qu'il y a personne qui va rentrer. Oh. Normalement, non. Qu'est-ce que t'as vu? Parce que moi, je vois pas ce que tu fais là. Je suis juste à côté de toi. T'as vu la porte qui se ferme? Ouais. Il y a ma gare juste derrière. Oh mon dieu. Oh, c'était oh chaud. Mon dieu. C'était chaud là. Ah, c'était chaud. Il a une sale gueule le mien d'ailleurs. Ouais. Petit peu. Elle est géniale l'écho hein, quand même. Ouais, c'est sympa, ça fait assez alien. Ouais, j'adore. Alors, un petit flingue pour toi et je vais te filer le fusil. Ok, J'écoute monsieur. Yes. Ah non, mais pourquoi t'as appelé le cabot toi? J'ai pas appelé le cabot. Yes. Alors, le numéro 9, tu vas me surveiller cette porte là. Non, c'est pas le numéro 9. Numéro 8. Donc. Tu veux faire quoi? C'est juste au cas où je dois fuir et puis que j'ai au moins un point de repli. Non, mais là t'es pas assez contre la porte, hein. Ils peuvent rentrer et puis te tuer. Non, non, c'est bon. Dans ton champ de vision. Si tu veux intégrer le gars en explosif, il a une arme spéciale ou pas? Attends. Je te dis ça tout de suite. Il est bien moché mon gars en explosif d'ailleurs. Ouais? Ouais. J'ai des mines, j'ai une mitraillette, mais c'est tout. Bah, mitraillette, elle a beaucoup de munitions ou pas? T'aurais pu me dire ça avant que je quitte. Ouais, j'ai un chargeur plein. C'était élémentaire. Bah, tu protèges l'autre porte si jamais il y a quelqu'un qui rentre. Oui. Ok. Ça, c'est les deux gars qu'on utilise le moins, en l'occurrence. Ok, bouge pas. Mets-toi pas aussi près de la porte si je peux le conseiller. Oui. Parce que si jamais ils en lancent une grenade. Ce qui peut arriver. Oui. D'accord. Alors, comment on fait déjà pour faire le champ de vision, là? X. X, ouais. Voilà. Je crois que c'est bon, là? Ah ouais, c'est bon. Ok. Oui. Alors. T'as l'air confiant, hein? Non, non, c'est juste... Par contre, c'est où j'ai recommencé depuis le début, quoi. Bon, bah, je te suis. Ouh, punaise, non? Tu me suis pas tout de suite. D'accord, je vais regarder par la porte. Je vais au moins voir ce que tu fais. Si t'arrives à l'occuper 2 secondes, je le tue. Faut juste que je tourne ma caméra parce que là je suis juste pas bien mis. Arton, hein? C'est bon. Vas-y, tu peux le tuer là maintenant. Oh putain. Non, stop. Putain, il me voit ou pas? Non, c'est pas lui qui pose des problèmes. Tu te dépêches? Ouh. Allez, tue-le! Il est en hauteur, tu peux pas. Ok, d'accord. 2 secondes, je me déplace. Je m'agite. Oui, je suis confiant. Oui. Voilà, là normalement personne ne devrait pouvoir me voir. Fais gaffe, il y a un officier qui se promène à côté. Hein. Oui, je sais. C'est possible. Hop. Tu prends quel arbre et tu le planques? Ouais. Oh putain, ça va être lourd. Reste couché. Ok. Je vais effectivement rester couché. Je viens de le voir arriver. J'ai des mauvais souvenirs de ce char, c'est mon ennemi lui. Je l'aime pas. Yes. Et merde. Chut. Et merde. C'est bon, il est mort. Ah putain. Bon, je vais récupérer l'autre. Voilà. Tu peux aller dans la petite maison, hein, c'est normalement. La petite maison? Ouais, ou là, c'est égal. Maintenant, tu viens par là, tu viens par là. Ouais, je peux aller dans la petite maison? Si tu veux, ouais. Je disais. Tu peux pas? Nina, yes. Je suis un peu en train de me faire défoncer. Pourquoi? Bah, par un mec. C'est qui tire dessus? C'était un mec. Dégage. Dans la maison. Vite. Je vais. Je suis rentré dans la petite maison et je me suis fait défoncer. D'accord, ouais. Ouais. Faut garder de temps en temps. Bon, bah on va attendre. Hein. Voir s'il y a quelqu'un qui veut venir. Non, c'est pas par là qu'il faut viser abruti. Tu l'as tué celui-là dans la maison? Ouais. Il y a un cadavre par terre. Faudra le ramener à l'occasion. D'ailleurs, est-ce que j'ai de la vie pour mon voleur là? Non. Ah, ça va, il peut encore survivre à quelques coups. Il a pas eu beaucoup de vie?
Oh, il me reste la moitié de ma vie, c'est bon. Ça devrait aller. Il est où cet enfoiré de chat? Bon, c'est bon, on peut ressortir là, tu crois? Ouais, ils sont calmés en tout cas, pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal, ouais. C'est toi là qui est devant la porte, hein? Oui, oui, l'officier qui est tout seul. Ah, bouge plus! Bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a? Rentre plutôt, au cas où. Il y en a encore un qui est excité là. D'accord. Mais je sais pas où il est, je l'ai entendu que. Ah, d'accord, il est toujours là-bas en haut celui-là. Où ça? Ouais, sur celui qu'on a laissé sur le toit, on peut pas le descendre celui-là. Ah! Ah bah oui. Et merde! Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout! C'est l'autre qui a déclenché l'alarme en découvrant le cadavre. Ah ouais, c'est pas grave. Elle dure pas très longtemps, c'est bon. Du coup, il y a l'alarme, mais ils sont parfaitement calmes, les mecs, hein. Ah oh, oui, pas de soucis. Moi, je suis en train de regarder par la la serrure. Ils ont lequel encore? Ah, on a bien un cadavre ici. Il faudra le récupérer à l'occasion, hein. Bon, une fois qu'ils les ont repérés, après, ils s'excitent plus normalement, non? À chaque fois. Ah ouais? Oh, bordel. Ouais, Hartung, dis-je en marchant nonchalamment. C'est bien, hein? Tu veux que je le tue? Si tu veux, sinon je venais avec mon gaillard, quoi. J'arrive. Non, non, vas-y. Mais fais gaffe au cas où, quoi. J'ai que ça à faire. Yes. Vas-y, cours un peu, abruti. J'arrive. Il me voit pas, là, hein? Non, il a le doigt à la porte. Ok, magnifique. Une cible pareille, c'est pas manquable. Et boum! Ah là, je vais aller le planquer, hein? Ouais! Bon, j'aurais pas fait autre kilomètre avec! Ah, mais c'est pas grave, j'aime transporter des cadavres. Surtout, t'as officiellement qui te suit derrière. C'est logique! Ça ruine pas du tout la couverture, hein! Non! Alors, je crois que ça c'est le quartier des officiers, faut que je me méfie là-dedans. Ouais. Alors, ça, bah, attends, moi je vais y retourner dans la petite maison parce que cette fois j'ai buté le mec qui me faisait chier avant. Oh putain! J'aurais besoin de monde là. Attends, mm-hmm. Je vais aller dans la petite maison moi. Mais c'est bon, il est mort hein? Non, y'a plus personne. C'est possible. Mais non, mais y'a encore des mecs dans la maison. Mais dans quelle maison t'as été? Dans celle qui est à côté, là où y'a le téléphone. Mais bah justement, on y va pas tout de suite. Mais c'est bon hein? T'es où toi? C'est safe. Attends, je te montre. C'est possible. Tu vois là? Tu vois l'escalier où on a tué le dernier mec? Ouais. Bah regarde, tourne la caméra, tu me verras. Ah, ça! Il y en a deux dedans que je veux tuer. Bah attends, on va d'abord se faire quartier des officiers là. Où il est ton quartier des officiers? Tu vois mon Gunbet là? Le gros musclé devant la porte? Attends. Il est sorti par quelle porte ton gros musclé? Ah, je l'ai vu. Je passe par là. Cours pas! T'as vu comment il s'est freiné quand t'as dit ça? Ben. Faut aller par où ensuite? Tu rentres dans la petite porte. Elle est où la petite porte? Bah là où je suis rentré. Ah là. C'est possible. Oh putain. Chut, ne faire pas de bruit. Tu veux que je prenne mon arme? Oui, prends ta mitrailleuse. Ma mitrailleuse? Ou ton fusil, c'est comme ce que tu as le plus. Celui qui a le plus de munitions. C'est fini. J'arrive pas à viser. Il est bloqué. Voilà. X? Non, attends. Non, pas là. Vas-y, vise avec ton arme, abruti. Mais ne tire pas avec. X, voilà. Je ramène les autres? Non. C'est quand même magnifique, ça. Voilà, comme nous, on vide une maison allemande remplie d'officiers. Voilà, je vais prendre des questions à la Gestapo maintenant, ça c'est cool. Voilà. Est-ce qu'ils ont des... Alors, il faut juste répartir les corps maintenant, parce que... Voilà. Non, mais attends, il me faut juste les munitions, moi. J'ai tout vidé, là. Tu m'étonnes. Alors, moi je prends celui-là avec moi. Yeah. Ok. Je vais voir ce qu'il a lui. Je prends celui-là. Puis on les fouille. Oh là, j'ai la pistolet. C'est voyons voir. Bah, c'est celui que, donc, duquel je viens de prendre des munitions. Yeah. Alors. Je vais prendre celui-là. Bon, fermons la porte déjà. Ouais, et puis mon gars, il reste tout seul. Et alors? Alors, lui il a une mitrailleuse. Je te filerai les munitions après. Merci. Ah, bah lui aussi il a une mitrailleuse. Officier de la Gestapo, oh ouais! J'adore cet uniforme. Bah, ça te permet de. Ah! Mais qu'il est con! Mais. T'as été où, toi? T'as vu ce qu'il vient de faire? Non! Il appelle tour de la maison pour aller dans la pièce où il y a ton mec qui vise. T'es confiant, toi? Je suis
qualifié. Ah, il a qu'un flingue, lui. Il est beau, mon uniforme. Hein. Tu prends juste les munitions? De flingue? Ouais. Ok, bouge pas. Non, récupère pas le mec. Fouille-le. J'ai les munitions. Très bien. Tu vois... Lui, il a quoi, le dernier, là? Il avait rien, qui est mitrailleuse, mais je la filerai. Tu regardes, là, dans l'armoire où je suis. Ouais. Il y a de la vie. D'accord. Tu peux la récupérer pour toi, moi j'en ai déjà un peu de réserve au cas où. Comment on l'utilise? Alors, c'est... C'est? Ouais. Ça marche pas. Ah oui, tiens. Il faut que je me pique avec ça. Oui. Une petite picouse par-ci par-là. C'est logique. Vous voyez, on voit que c'est un vieux jeu parce qu'il y a encore de vraies croix gammées à l'intérieur. C'est pas censuré. Par contre, YouTube risque de me censurer juste parce qu'il y a une putain de croix gammée qui apparaît ici. Je sens que je vais devoir mettre un bandeau noir dessus, moi. Punaise. Il y a quelque chose dans les casiers? Ah bah oui, il y a de l'explosif. Attends, j'ai appelé le chien. J'ai trop d'explosifs, moi j'ai plus de place chez moi. Alors, ça c'est pour l'expert l'explosif. Ça aussi. J'ai encore besoin de mon grappin, là. Garde-le, ça peut toujours être utile. D'accord. Il a une mitrailleuse, ton... Mon gaillard, ouais. Lequel? Celui que j'ai maintenant, il a une mitrailleuse et il a besoin de munitions. L'autre aussi ou pas? Non. Oh, tu te serviras dans le chien comme ça, on est pas obligé de faire une attente de machin. Attends, je vais fouiller le chien maintenant. Voilà. Non mais. Certes, non. Non mais. Serre-toi. Abruti. Lâche le chien, comment je fais ça? Clique droite là où il y a la flûte. Ah. Voilà. J'aimerais bien fouiller le chien. Non, pas officiellement. Le chien. Mais pas officiellement, j'ai dit. Le chien. Voilà. Pouf. On va enlever le conflit. Bon. Ça a bien marché. Voilà, attends. Oui. Je vais appeler le chien avec l'autre parce que je prends les grenades. D'accord. Il vient ce couillon de chien? Ah oui, il vient. Il est rapide, hein? Ah, c'est, ouais. Bon, bah j'ai plus beaucoup de place, hein. Je peux pas mettre des explosifs là. À moins que j'enlève mon détecteur de mine. Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? Tu viens avec ton gaillard après dans la pièce où on était? Ouais, j'arrive. Puis on va se mettre un. On va se prendre une caisse pour nous ici. Ouais. Puis on met le truc qu'on a pas besoin. Parce qu'on aura besoin beaucoup d'explosifs. Tu la grande armoire par exemple, tu la prends comme ça, tu sais où la retrouver. Laquelle? Bah celle-là où il y a mon mec devant, voilà. Voilà, celle-là si tu veux. Voilà. Hop, le détecteur de mine va dedans. Les mines, je les garde. Par contre, les jumelles, j'en ai pas besoin. Non, ça, je peux les virer par terre carrément. Là. Alors, les. Non, mais j'aimerais. Bon. Enlève la bouteille d'alcool, voilà. Maintenant, on organise un peu notre merde. Voilà. La bouteille d'alcool, elle peut virer par terre. Et j'ai besoin du dernier explosif. Voilà, j'ai réussi à tout prendre. Et les pilules aussi, je pense. Les pilules, c'était rien. Hein. D'accord. C'était élémentaire. Pourquoi tu vises ici, toi? Hein? Parce qu'on va changer de quartier. On est ici maintenant qu'on est là. Tant qu'on est tous là. C'est quoi ça? Je voulais voir si je pouvais le faire aussi. Tu m'as fait peur, couillon, ouais. Le jeu tourne à 25 images par seconde. C'est pas le bon. Il est où le gaillard que je viens de ramener? Là. On peut sortir par là, mais ça va où après? Ouh, il y a un officier que je pourrais tuer facilement, là, je vais me le faire. Ah, excuse, repropose. Bah, t'es coincé contre la porte, je peux plus maintenant. Ah, il est sorti. Bah, je sais pas comment m'enlever. Voilà, vas-y. Non, ça c'est l'officiellement. Vas-y. Je veux juste voir ce que t'as. Ah, t'es déjà plein avec ton arme, fais chier. D'accord. Ouais, non, mais je suis pas plein. T'as 150 cartouches. Ah, mais merde, je peux prendre en plus. Attends. Mais tu vas où avec lui? Je reviens. Oui, mais il a pas d'arme lui. Je sais. Ah, mais merde, c'est pas lui que je veux. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire, il n'a pas la bonne arme, lui. Voilà. Je vais. Oui, tu vas. Et tu vas vite, s'il te plaît. J'espère qu'il n'y a personne d'autre qui me voit, parce que sinon, je suis pas dans la merde. Il y a personne qui le regarde, celui-là? Non. C'est merveilleux, tu es mort, mon gars. Oh, merde. Un sniper. Oui. Eh oui, toujours un sniper. Ça va? Et... Non, je suis mort. Non. Non, je suis juste au sol. T'étais où toi encore? Bah, je voulais tuer le mec là-bas, mais apparemment il y a un sniper quelque part, là-haut. Ok. Puis toi, t'es mort où? Bah, regarde à l'extérieur de la maison, là où je suis sorti. Ouais. Un petit peu plus haut. Tu vois là? Non, je t'ai pas retrouvé. Tu es l'officier de la Gestapo là? Ouais.
Tourne ta caméra. Ben oui, je l'ai déjà tournée. Pour que tu voies la porte. Ma porte? Oui. Là où je suis, ouais. Voilà, maintenant tu montes. À droite, à gauche? Ah. Non, mais tu montes. Ça, c'est Caradoc dans les... Ah, c'est bon, je t'ai... C'est bon? Tu m'as trouvé? Ouais, c'est bon. Magnifique. Mais quelle idée, t'as fait de foutre la bande-bande, toi? Je peux jouer du mec derrière, je crois que c'est peur. T'as des grenades? Ouais. Balance-lui en une. Au sniper, balance-lui une grenade. Ok. Oui, c'est intéressant. Y'a pas besoin de me demander deux fois ça. Mais y'en a un autre là, le sniper. Oui. En haut. Oui, mais je sais pas si je peux les distraire ceux-là. Je veux bien l'essayer, mais je sais pas si les snipers ils me reconnaissent. On va aller voir ça. Mais même si tu fais péter une grenade, de toute façon il va se réveiller. Non, mais de toute façon là, il me verra pas. Non, mais il va entendre la grenade, ils sont pas sourds ces Allemands. Hein. Et je sais, mais comment je fais pour lui balancer une grenade depuis là sans me faire voir? Ah, je vois où est son champ de vision, c'est bon. Ouais, je rentre au cas où. Hein. Je crois que je suis à l'officier de la Gestapo, j'aurais pas trop de problème dehors. Non. Bon, lui il me verra pas. Ok. C'est bon, je sais que je suis sorti là. Tu balances et tu cours dans la maison. Voilà. Mais merde, j'avais des grenades, elles sont où? Il les a laissées dans l'armoire. Non. Ils sont sur le poteau. Putain de merde. Laisse. Moi je peux les voir qu'à l'heure, sans leur prendre problème. Normalement. Il faut juste accepter que j'aille voir dans ton cadavre. Moi, quel chenille ! Non, il a pas de grenade, lui. Il a pas de grenade ? Alors, j'ai où les grenades ? Dans ta caisse ? Où t'as été avant ? Et merde ! Ah, bah, je vais chercher ça ! Oui. Ah ! Chier, ça, j'ai vu les grenades avant. Au boulot. Elles sont où ? J'ai des mines, ça oui. Non, il y a pas de grenade. Le chien ? Peut-être. Tu l'as pas vidé ? Viens ici, le cabot. Où que tu sois. Merci. Au boulot. Ouais, j'ai oublié de récupérer les grenades sur le chien. D'accord. Tu fais gaffe, il y a un autre gars qui pourrait éventuellement te voir. Hein. Oui, je sais, mais je l'ai vu. Il y en a deux en fait qui peuvent te voir. Pourquoi on aura besoin d'autant d'explosifs en fait? Ok. On va faire péter toutes les centrales nucléaires après. Enfin, électriques. Super. Okay. Ouais, c'est sympa. Bon, normalement si je me place depuis là, personne peut me voir. Est-ce que je peux? Oui! Et après tu cours, hein. Cours! Ah! Non! Non! Quelqu'un vise la porte? Ok. Oui, t'inquiète. Voilà, venez, bande de cons. C'est toi, ça? Oui. Mais y'a personne qui nous a suivi, hein. Nah, je crois pas. Mais faut être sûr. Tu vois quoi? Bah, ils sont tous autour de ton cadavre pour l'instant. Oui, logique, hein. On va essayer de les distraire. Parce que, bon, s'ils sont tous collés autour du cadavre, je peux balancer une deuxième grenade, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Oh putain. Je me suis eu dans le cul. Ah, c'est trop facile. Bah, j'en ai tiré une balle dans le pion dans l'autre et puis il s'est tiré. Alors, est-ce qu'il y en a encore d'autres qui veulent mourir? T'es un abruti, hein. Enfin non, d'accord. T'es un génie. Bon, y'a plus de joueurs. Y'a plus de joueurs. Oh, oh, j'arrive. Oui. Attends, on va déjà vérifier les cadavres. Ouais. Moi, je vais aller chercher le tien, laisse. Vérifie. Bon. Le sniper me voit plus, là? Non. Tu veux lui en balancer une situation là-haut? Ouais, mais attends, je vais aller récupérer mon gars d'abord. Mais t'as pas la vie pour ça? Si. Je vais faire un échange et récupérer la vie. Voilà, donc comment je récupère la vie sans me faire chier? Bon, le grappin là, j'en ai besoin de ce truc. Bah écoute, tu peux le foutre dans la caisse, ta bonbonne d'oxygène aussi. Ouais, bon, la bonbonne d'oxygène, je la vire et le grappin aussi, je récupérerai ça après. Si je peux. Mais parce que là, tu fais quoi en somme? Tâche effectuée, monsieur. Ce que je veux faire. Ça t'es vachement explosé, hein, mon pote. Oui, je sais. Couche-toi. Ok. Yes. Ah là. Bon, maintenant tu récupères ta merde là. Mais pourquoi t'as viré ça? Je comprends pas. Hein? C'était pour avoir de la place. Yes. Non. Bon, attends. Faut que je refasse un échange. Abruti.
Voilà, je reprends ça, merci. Et maintenant, tu vas récupérer ta... Tu vas récupérer ton... Ton harpon, voilà. Et maintenant, tu vas me foutre tout ça... Dans ce foutu armoire. Je vais en balancer une deuxième de grenade après, hein. Ouais, mais on va déjà faire les maisons maintenant, on va vider les maisons parce que... Ça, ça peut se retourner contre nous, hein. Ah ouais? Bah, il y a du monde qui peut sortir des portes, hein. Ah bon? Oh oui. C'est dangereux? Je me suis fait tuer plus d'une fois comme ça. D'accord. T'es les gars, ils sont tous rentrés? Ouais, ouais. Alors, on va vider la chambre des officiers, là. Elle est où? Bah, là où t'étais avant, la petite maison, là. Ah oui, la fameuse, j'arrive. Je suis déjà dedans, moi, si jamais, hein. J'arrive. En fait, il suffit de tirer et puis de les laisser venir. Je passe par là. Ouais, bah, l'idée, c'est ça, ouais. Ah, tiens, tu vas être contente. Je suis là. Deux secondes, parce que moi, je suis pas... Je sors mon arme. Mets-toi pas devant la porte. Ah bon? Ne jamais se mettre devant une porte, t'es suicidaire, toi. Ah, on sait jamais. Attends, je suis bloqué par le meuble, là. Je vais. Méchant, le meuble. Tu peux venir à côté de moi, je meurs pas, hein. T'es prêt? Non. Félix? Ouais, c'est bon. Bah, ça a pas marché. T'inquiète pas, je te soignerai. Alarme. Tu peux me soigner, s'il te plaît? Pourtant, j'étais sûr de viser la porte, mais... Ouais, mais t'avais peu assez de munitions, je pense. Ouais. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Deuxième couteau. Merci. Tu peux me filer les trois balles que t'as, là? Ah oui. Tiens, un cadeau. Merci. Puis sinon, ouais, c'est bon. Ouais. Ah, tu m'as déjà ressuscité, c'est sympa, ça. Oui. Il faut que je me trouve une arme. Tu vas où, toi? Bah, je me casse. D'accord. Enfin, je vais voir ce qu'ils ont, les cadavres. Cadavres, ça s'appelle rien, ils sont déjà vidés. Oh. Mais il y a toujours plein de trucs à aller voir dans les maisons. Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment, hein. Déjà? Il y aura la prochaine fois, ouais. Ah bon? Gentiment. Ouais, j'essaie de faire des vidéos plutôt courtes. Attends, j'ai pas fini, attends. Je reprends du poison pour mes gaillards. Ouais, vas-y. C'est juste moi qui vais sauvegarder, comme ça on est sûr que c'est bon. Voilà. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est bon, quoi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter, de vous abonner, de la partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, de la mettre en favori, la routine habituelle, quoi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, qui est dans la description de la vidéo. Mais il s'y passe pas grand-chose, je fais que poster le lien des vidéos YouTube. De temps en temps, je fais une blague, j'en sais un sujet de conversation, mais ça n'arrive pas non plus ultra souvent. Voilà, sur ce, bah tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. Je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye avec et Tiger Wolf. Ciao les gars. Allez, à plus. Alors il y a un gros truc ici. C'est pas le tien, mais il y en a un qui peut jouer. Oui, mais oui, c'est pas à toi, là il est vide. Ça c'est fait. Et là tu fous de ta gueule. Ouais, j'ai vu. Oh, tu peux rien lui faire, il est mortel ce con là. Putain.